ce matin. Big fail le matin avec mon ma mousse. Mais bon, c'était pas pour le show, là, mais ça fait vraiment une belle mousse. J'utilise du lait écrémé depuis quelques temps parce que je trouve que ça mousse vraiment mieux que du lait d'avoine. Puis le lait d'avoine, je l'utilise plus dans mes recettes. Mais bon, à voir. Je voulais vous montrer comment ça moussait. Vous allez comprendre sûrement, mais c'est ça. Un petit peu un fil va s'arrêter pogné dedans. Qu'est-ce qu'il y a en amont? La nouvelle émission de Peppa Pig, garde, là, qui va commencer. Salut! Donc, c'est ça. Je pensais pas vous vloguer en fin de semaine. Mais là, je sais pas, hier, je me couchais, tout ça, puis je me suis dit, crime, ça fait vraiment longtemps que je n'aurais pas donné des nouvelles un peu update bébé Jade, justement. Outre le fait que, tu sais, des fois, je vous dis une phrase ou deux de même, là, mais c'est ça, j'ai pas vraiment jasé de ça. J'avais le goût de faire un bon segment là-dessus, vous donner des nouvelles, là, puisqu'elle a quand même eu 6 mois dans le temps des fêtes. Donc, je vais faire ça quand les filles vont dormir après-midi, quand je vais être un petit peu plus tranquille. Donc, on se voit cet après-midi. Chin chin. Et bon week-end! Hello, on se retrouve un petit peu plus tard en après-midi. Je voulais vous faire un petit update par rapport à Jade. Premièrement, je trouve que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas parlé de comment elle va, elle est rendue à faire quoi et tout ça. Outre qu'elle faisait ses dents. Là. Mais aussi parce que j'ai vraiment plusieurs nouveaux abonnés. Donc, encore là, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur cette vidéo-là. Donc, j'avais comme le goût aussi de tenir un bâti, de les mettre dans le bain là, pour qu'ils sachent un peu où ce que je suis rendue dans ma vie de maman avec Jade. Mais avant, je veux juste commencer par mettre de quoi au clair. J'ai pensé à ça tantôt, là, puis je me regardais aussi, j'écoute d'anciennes vidéos de moi, mettons en 2020 ou en 2021. Souvent, c'est comme pour voir Abby était comment à l'âge à Jade. Puis là, tu sais, c'est ça. T'sais, vous savez, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube beaucoup pour mes souvenirs. Donc, j'aime ça aller réécouter mes vidéos, bref. Et je trouvais vraiment que je me justifiais souvent. Puis là, c'est ça, là, je m'en allais faire mon segment justement sur, tu sais, c'est quoi mes méthodes pour le dodo, c'est quoi je fais pour l'alimentation de Jade. Puis là, je me suis juste dit une pensée, Marie, là, essaye de pas trop te justifier. Parce que pour vrai, je trouve que c'est lourd un peu, puis c'est comme si j'ai aussi commencé à vlogger en même temps que la COVID est arrivée. Puis je trouve que, c'est ça, je trouve que depuis ce temps-là, c'est juste pire, là, ces réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il pense. Quand ils sont pas d'accord, en tout cas, je trouve que c'est ça. Là, la société, c'est beaucoup divisé. Puis j'avais tout le temps l'impression que j'avais expliqué pourquoi je faisais ça. Ou, tu sais, je sais là, qu'il va sûrement avoir des personnes qui seront pas d'accord avec tous mes choix. Puis c'est bien, bien correct. Donc, quand moi, je vous parle de, justement, exemple tantôt, là, je vais vous parler de comment je fais le dodo avec Jade. Premièrement, c'est zéro, des fois, tiré sur tes... j'allais dire des données scientifiques, tu sais. Je pense que je suis la meilleure personne, la mieux placée pour savoir pour ma famille, pour mes enfants, tu sais, c'est moi qui les connais le mieux, comment moi aussi je suis bien là-dedans. Je vais essayer juste de mettre plus de douceur sur ma chaîne, essayer juste que, genre, d'être moi-même, puis de, c'est ça, moi, me faire de ce que les autres peuvent penser. Puis, comme je vous dis, faites juste toujours garder en tête que quand je vous partage une façon de faire quoi que ce soit, c'est vraiment pas parce que je pense que c'est la meilleure solution ou que je juge les autres qui font pas pareil comme moi, mais pas du tout. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse. C'est ça, je vais commencer avec le dodo. Puis c'est vrai, je veux comme aussi vous dire que je vais faire une vidéo vraiment, vraiment prochainement. Là, quand une journée que Abby va être à la garderie puis que mon chum va travailler, je vais essayer de vous amener dans, c'est ça, une journée avec Jade, un peu ses routines de dos, ses routines, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle mange, ce qu'on fait un peu, c'est ça, une journée typique avec mon bébé de 6-7 mois. Parce que là, je me dis que si je vous donne des updates, puis en plus de ça, je vous dis un peu tout ce qui va autour de chaque élément, on va être encore ici demain matin. Alors, stay tuned! Mais c'est ça, dans le fond, côté dodo, Jade, dans le fond, se réveille encore une fois par nuit. Donc, c'est ça. Cependant, elle se rendort vraiment facilement. Côté siège, je vous dirais qu'elle en fait en moyenne 2 par jour, une le matin, une l'après-midi. Ça aussi, là, ça varie. Ben, celle du matin, elle varie plus, là, entre 45 minutes, 2 heures. Celle de l'après-midi, habituellement,
c'est pas mal toujours 1h30, 2h, ou même des fois 2h30. Mais ma fille s'endort seule la plupart du temps. Alors ça aussi, je donnerai plus de petits détails là, de comment que j'en suis venue à cette méthode-là. Ensuite, côté alimentation, j'ai allaité Jade jusqu'à ses 3 mois environ. On soupçonnait une intolérance. Moi, j'étais en dépression postpartum. Fallait que je fasse un changement. Là, j'étais complètement à terre. Je veux dire, tous mes proches pourront vous confirmer. Là, ça allait vraiment pas bien. Donc, fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et l'arrêt de mon allaitement, même si je me suis sentie mal, 24 heures, je me suis tout de suite rendue compte que c'était le meilleur move que je pouvais faire pour moi, pour ma santé mentale. Mais c'est ça. Puis, je sais pas, là, comme dans le mois qui suit, ça a vraiment, vraiment été mieux avec Jade. Comme je vous dis, c'est quoi? C'est-tu parce que moi, j'allais mieux? C'est-tu le lait? On a changé son lait? C'est-tu l'âge? Je sais pas, mais bref. Vraiment été un bon move. Dans le fond, on l'a mis sur Similac Alimentum, puis elle est encore là-dessus là, depuis. C'est comme une petite canne hein, déjà prête à boire. Ça va tellement bien en plus. C'est sûr, c'est plus cher, mais nous, on a comme une prescription. Donc, c'est remboursé par nos assurances, la majorité là, des frais. Puis, c'est ça, dans le fond, on va continuer là-dessus jusqu'à au moins ces 9 mois, puis on verra la transition, qu'est-ce qu'on fait. Là. Je suis pas rendue là dans mes réflexions, mais c'est pas mal ça. Dans le fond, on a commencé... là, c'est un peu encore là un sujet... j'allais dire... un sujet controversé, mais c'est pas tant, comme je vous dis, j'y vais avec qu'est-ce que moi je fais, c'est tout, là. Mais dans le fond, c'est comme purée ou DME, puis vraiment, nous, on préfère aller avec les purées. Abby, j'avais fait mes recherches là-dedans. Étant une personne anxieuse, pour vrai, genre, je me sentais juste pas prête, là, à essayer la DME avec les gros morceaux, tout ça. Donc, j'ai commencé les purées. Pour vrai, ça a tellement bien été avec Abby. Puis, pour vrai, après ça, j'ai commencé un peu plus gros morceaux. Puis, après ça, le manger comme nous. Puis, ça a vraiment, vraiment bien été. Puis, à Jade, sincèrement, je me suis pas tant même posé de questions. Je sais vraiment là, que, tu sais, dans mes groupes de maman, la DME, c'est comme 80% du monde qui font ça. C'est de la nouvelle mode, puis tout ça. Mais sincèrement, moi, j'étais bien avec les purées. Puis, comme je vous dis, ça me sécurise. Puis, c'est ça. Tu sais, je trouve que la DME, il y en a souvent comme partout à terre. Tu sais, la purée, c'est moi qui y donne. Je trouve ça cute, le petit moment que je passe avec elle. Tu sais, c'est pas plus long faire, tu sais, lui donner en purée, tu sais. Oui, mettons, on va manger un avocat, mettons, un demi-avocat à côté, mais tu sais, je la laisserai pas pareil manger son demi-avocat pendant que je fais d'autres choses. Il va falloir pareil que je sois assise avec elle pour la regarder manger en DME. Donc, pour moi, c'est pas plus long de donner les purées, là, sincèrement. Puis sincèrement, même que je trouve que ça va quasiment plus vite, là, tu sais, je veux dire, ça rentre au poste, les cuillerées, puis après ça, je passe à autre chose, là. Je veux dire, elle mange bien moins longtemps que Abby mange, là, je trouve, là. En tout cas, pour nous, c'est vraiment la meilleure solution. Mon chum non plus était pas prêt du tout à essayer la DME. Lui aussi, ça l'aurait vraiment trop stressé. Puis, tu sais, même pour les personnes qui gardent, je trouve que c'est juste plus facile et puré. Quoique, Jade s'est juste fait garder par ma mère depuis qu'elle est née. Donc, on a commencé les céréales une fois par jour, début décembre. On a testé avoine et riz. Elle a bien aimé les deux, ça a bien été. Une semaine et demie plus tard, on a décidé d'y en donner à peu près 2 fois par jour. Donc, le matin et sur l'heure du souper. Ça allait super bien aussi. Ensuite de ça, moi, c'est ça, dans le fond, là, j'en avais parlé à mon médecin quand j'ai commencé les purées avec Abby. Mais dans le fond, ce qui est recommandé, c'est de commencer par les aliments qui sont riches en fer, donc céréales et viande. Puis j'étais comme un peu sceptique à Abby, j'étais comme voir que je vais commencer à lui donner les viandes avant légumes et fruits. Mais je l'ai fait, puis sincèrement, Abby a trippé sur la viande, là, j'en revenais même pas, j'étais comme voir qu'elle mange tout ça, puis qu'elle trouve ça bon, tu sais. Puis après ça, j'avais continué avec les légumes, puis j'avais finalisé avec les fruits. Aussi, dans le fond, si on commence par les fruits avant les légumes et les viandes, bien souvent, ils vont préférer les fruits, puis après ça, ils vont avoir de la difficulté à
à vouloir manger justement la viande et les légumes. Donc, on commence par le moins bon, puis on s'en va vers le meilleur. Ils savent pas ce qui manque, c'est ça qui est bien. Mais bref, j'ai fait vraiment la même technique. Donc, céréales une fois, après ça, céréales deux fois. Ensuite de ça, le midi, j'ai donné de la viande. Puis, la même affaire qu'avec Abby, j'ai été avec les purées Marpoule, compagnie d'ici qui fait, c'est ça là, des purées biologiques, avec comme un ingrédient. Là. Donc, tu sais, si vous prenez au poulet, ben ça va être les ingrédients, c'est poulet haut, c'est tout. La texture, sont super lisses. J'ai goûté, ça goûte. C'est le poulet pur, là, c'est pas mauvais. Tu sais, là, dans les genres de jeux de shower, là, qu'on goûte à des purées, puis tout ça, là. Puis des fois, c'était comme bœuf et je sais pas quoi, là. Ben, quand j'ai goûté à ça, je me suis juré que jamais de ma vie que j'allais acheter ça à mes enfants. Comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez, c'est bien correct, mais pour moi, personnellement, j'étais comme impossible. C'est sûr que c'est plus cher, les Marpoules, mais pour vrai, tu sais, je suis capable de leur offrir ça, donc c'est ça. Alors, j'achète Marpoules. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé et puis j'ai donné, pour l'instant, poulet, dinde, bœuf, porc, veau, mais ça, ça revient au même. Donc, je suis rendue là. Je pense pas lui faire intégrer l'agneau ou, tu sais, des fois, des affaires un peu... Tu sais, j'en mange même pas, moi, dans la vie, là. Donc, c'est ça. Je suis pas mal sûre que je vais... rester à ça avant d'aller dans les allergènes et d'inclure poisson, etc. Là. Mais ouais, pour l'instant, les viandes, c'est pas mal ça. Je vous montrerai ça ressemble à quoi là, dans ma journée que je vous amène avec moi. Là. Mais c'est ça. Ensuite de ça, bref, la première fois qu'elle a mangé de la viande, c'était le soir de Noël. On mangeait de la dinde et puis j'ai donné du poulet ou de la dinde, je m'en souviens pas. On se trouvait bien drôle. Là. On disait « Ah, toi aussi, t'as ta petite portion de dinde ou de poulet! » Donc, ouais, ça a commencé là. Puis ensuite de ça, c'est ça, là, on était confinés à cause de la COVID ici. Puis d'habitude, je faisais mes purées, moi, en fait, à Abby, je faisais mes purées de légumes et de fruits. Tu sais, j'ai jamais acheté des purées Marpoules ou autres. C'est juste que là, pour vrai, j'avais pas tant mon épicerie, puis tu sais, j'avais pas pensé à ça. Puis là, j'étais rendue là, puis là, j'ai appelé ma belle-sœur, puis elle est allée justement m'acheter... des légumes de la compagnie Marpoule. Donc, elle m'a acheté brocoli, carottes, patates douces. Donc, j'ai commencé avec ceux-là, puis j'ai racheté aussi un que c'est avec du chou-fleur dedans. Pour vrai, ça dépend vraiment. C'est juste que je les trouve très, très liquides. Donc, c'est parfait pour comme commencer, mais je pense pas racheter de boîte parce que, tu sais, comme je vous dis, je veux quand même commencer tranquillement, pas vite, à épaissir mes purées de légumes. Mais je trouvais ça parfait là, pour le début, mais tu sais, après ces boîtes-là, je vais commencer, comme je vous dis, à le faire les miennes. Prochain légume que je veux tester qui n'est pas encore fait, c'est la pomme de terre, donc ça va y arriver. C'est juste que là, je voulais commencer les fruits. Je vais commencer avec les pommes, vu que tu sais, j'avais ça à la maison, la compote de pommes ici. Puis, j'avais plus tant de fruits, puis j'étais venue pour aller à l'épicerie, puis j'étais comme... j'étais pas encore été. J'étais en pharmacie, j'ai pas vu les Marpoules, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme fruits. Et il y avait poire, mais il y avait pas, mais tu n'en avais pas besoin. Mais il y avait poire et mangue. Puis j'étais comme, ah, c'est quand même pas des fruits que j'ai souvent sous la main. Donc, j'ai testé ces deux-là. Puis quand j'intègre un nouvel aliment, je l'intègre pour deux journées. Puis... voilà, si je vois qu'elle n'a pas eu de réaction, mais j'intègre un nouvel aliment. Donc là, c'est ça, je vais avoir pas mal intégré 4 légumes, 3 fruits. Donc après mangue, je pense que je vais, comme je vous dis, tester pomme de terre. Puis après ça, je vais essayer un autre fruit. Puis là, ben ici à la maison, j'ai pas mal, pour l'instant, peut-être, ça va être soit framboise, bleuet ou banane là, que je vais essayer. Côté moteur, je vous dirais que ma belle Jade n'est pas pressée, mais pas du tout. Ça m'inquiète vraiment pas, là. By the way, je vous dis pas ça en paniquant, mais pas en tout. C'est juste que c'est ça. Je pense que c'est ça. Elle est vraiment pas pressée à se déplacer de l'air, puis se promener, puis tout ça. Depuis, elle s'est peut-être tournée une fois du dos au ventre, puis une fois du ventre au dos. Sinon, il faut vraiment, vraiment que je la stimule. Tu sais, Jade, j'avais déjà dit, c'est un bébé vraiment à bras. Tu sais, je disais que c'est un bébé plus difficile dans les débuts. Tu sais, là, elle est mieux, mais c'est quand même un bébé qui se tanne rapidement d'être dans telle position. Elle aime encore beaucoup être dans mes bras.
Puis sincèrement, là, j'allais dire, je la garde pas pantoute, là, tu sais, j'essaie vraiment, là, de l'amener avec moi dans mes tâches, mais c'est vraiment difficile, tu sais, je pourrais pas dire... Comme avec Abby, mettons, là, je pouvais m'entraîner, puis Abby, elle soit une demi-heure dans sa balançoire, me regarder m'entraîner, puis elle chialait zéro, là. Et elle pouvait être sur le ventre encore, là, avec des jouets en avant pendant vraiment longtemps, elle chialait pas... Mais Jeanne, c'est vraiment, vraiment le contraire. Peu importe la position que je la mets ou dans quoi je vais la mettre, après 10, max 15 minutes, elle stand, puis elle chiole, puis limite à hurle. Mais c'est ça, tu sais, dans sa sauteuse, que ça soit balançoire, la chaise vibrante, sur le dos, sur le ventre, puis même sur le ventre, là, je veux dire, elle t'offre pas du tout 10 minutes, là. Donc, c'est ça, c'est comme difficile là, de faire mes tâches quand elle est éveillée. Cependant, elle me fait vraiment des belles siestes. Fait que moi, c'est là-dedans que je m'entraîne, que je clenche mes ouvrages, mes tâches, parce que quand elle est éveillée, il faut vraiment, vraiment que je l'accompagne, puis je sois près d'elle. Puis, tu sais, si je m'en vais faire une brassée de lavage, puis elle n'est pas dans mon champ de vision, ça se pourrait que je me le fasse dire avant d'être revenue dans le salon, tu sais. Mais que c'est ça. Honnêtement, tu sais, elle jase, elle rit, elle a vraiment pas l'air mal en point, là. C'est juste plus difficile et plus long. Mais comme je vous dis, je l'accompagne, là, j'essaie qu'elle se tourne. C'est ça. Je sais pas. Ça va venir. Mais c'est ça. Tu sais, elle se tient assise dans son boum-boum, mais elle se tient pas assise par elle-même. Elle est loin de ramper. Donc, c'est ça. On est à peu près là, côté moteur. La seule affaire qu'elle fait, c'est qu'elle se déplace, mettons, elle fait comme l'horloge, là, que je vous l'avais déjà un peu montré, là, elle se tourne sur elle-même, là, mais c'est pas mal la seule affaire. Mais c'est ça, elle est drôle, elle nous jase, elle rit, elle fait tellement des beaux sourires, elle est très expressive. C'est juste que c'est ça, quand ça fait pas son affaire, on le sait assez vite, si elle a faim, on le sait vraiment vite aussi, tu sais, c'est ça. Et finalement, côté dents, il y en a vraiment une qui est en train de percer. C'est juste tellement interminable. Je suis comme, elle va-tu sortir, là, qu'on puisse passer à autre chose? Parce que, tu sais, j'y touche avec mon doigt. Je la sens, mais elle n'a pas tant percé que ça, là. Non, ça s'en vient. Qu'on est là-dedans aussi. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour, update bébé. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que, encore là, j'ai vraiment très, très jasé. Mais écoutez, j'aime ça. Hein? J'aime ça vous jaser, vous donner des nouvelles. Prochainement, sur ma chaîne, ce que je pense faire, outre la vidéo que je vous dis que je vais vous amener avec moi, là, avec Jade, je vais faire un Q&A vraiment prochainement. Là, j'ai posé des questions sur Instagram. En fait, laissé comme un encadré de questions. Si jamais vous ne me suivez pas, je vais vous laisser encore ici mon nom. Mais sinon, vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Ça peut être vraiment sur, comme je vous dis, sur Jeanne, ce qu'on vient de jaser. Mais ça peut être sur comment ça va avec Abby. Ça peut être sur mon couple. Ça peut être sur mon métier. Ça peut être sur le camping. Ça peut être sur mes loisirs. N'importe quoi sur les produits que j'utilise, les compagnies que j'aime, n'importe quel sujet, laissez ça en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir plus sur moi, quelque chose que je vous ai jamais parlé, que vous êtes intrigué. Puis c'est ça, je vais faire un Q&A bientôt. Ça ressemble à ça, là, dans mes... Vite, je vais vous parler aussi d'un de mes projets, là, qui s'en vient vraiment bientôt. Je risque de recevoir une commande chaîne aussi que je vais pouvoir vous montrer. Hein? C'est que de suspense, écoutez! Restez à l'affût si vous voulez rien manquer. Ben, abonnez-vous, en fait, si c'est pas fait. Likez la vidéo, puis comme je vous dis, commentez une question si ça vous intéresse de participer. Puis, on se dit... À très bientôt, les amis! Bye bye!